الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن آنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شج نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. لوتر رحمه الله تعالى نجي وفي الصحيح et dans le recueil de hadith authentique أي في الصحيحين عند البخاري تعليقا وعند مسلم موصولا عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم أشج هي الجرح في الرأس والوجه أو الوجه خاصة يوم أحد أحد جبل معروف دونك أنس radiallahu anhu nous dit dans ce hadith qui est rapporté donc par l'imam Muslim et l'imam Bukhari, le jour de la bataille de Uhud. Uhud, c'est une montagne que vous connaissez tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé à la tête et une de ses incisives cassée. Yani, une partie de l'incisive de la mâchoire inférieure du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été cassée. C'est pas là-dedans entièrement, mais une partie. Il dit alors, comment un peuple blessant au crâne son prophète peut-il réussir? Allah révéla alors, tu n'as aucune part dans l'ordre. Donc ici, Anas ibn Malik radiallahu anhu nous raconte ce qu'il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Uhud. Kusirat ruba'iyatuh. Donc son incisive a été cassée, il a perdu un bout de dent sallallahu alayhi wa sallam. Sala damuh min wajhi ou min jabhati. Et le sang a donc coulé du haut de son visage. Wa kana yamsahu damahu an wajhihi wa yaqul alladhi dhukira fi hadha al-hadith. Ce que j'ai cité, c'est la version de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala.
donc son sang coulait de son visage ou sur son visage, il essuyait son sang en disant comment un peuple qui blesse son prophète pourrait-il réussir. Ay, كيف يحصل لهم الفوز والسعادة مع فعلهم هذا بنبيهم. C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils pourraient obtenir le bonheur et la réussite alors qu'ils se comportent ainsi avec leur propre prophète. فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Suite à ces paroles, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé: tu n'as aucune part dans l'ordre. أي عواقب الأمور وحكم العباد بيد الله تبارك وتعالى فامضي أنت لشأنك ودم على دعوتك فشأن الخلق إلى خالقهم. Donc Allah Azza wa Jal, suite aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a révélé ce verset: tu n'as aucune part dans l'ordre, c'est-à-dire concernant les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, l'ordre tout entier revient au Seigneur. Et la finalité de leur affaire et le jugement sur ses serviteurs n'appartient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'il va les guider ou est-ce qu'ils vont rester dans cet égarement? Cela n'est qu'entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Munasabatul hadith lilbab. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre? فيه دليل على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع عن نفسه الضر لم يدفع عن نفسه الضر فغيره من باب أولى. وفي الحديث نفي التوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أفضل الخلق أجمعين فلو كان يملك من الأمر الشيء القليل لنصر نفسه وأصحابه ففي ذلك بطلان الشرك. Donc dans ce hadith, ou plutôt l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car il y a des preuves qui nous montrent que nous n'avons pas le droit de donner des associés à Allah tabaraka wa ta'ala. Nous n'avons pas le droit de donner une part de l'adoration aux personnes pieuses. Car dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu repousser de sa personne le mal, ni de ses compagnons, radiallahu anhum. Si cela est pour la créature la plus noble, préférée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, que dire alors de ceux qui ont un rang moindre que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également dans ce hadith, on voit qu'on ne peut se diriger vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam car il n'a pas pu repousser de sa propre personne ce mal. Il nous faut donc nous diriger entièrement vers Allah tabaraka wa ta'ala, et voici ce qu'est at-tawhid. تتمة الآية أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. La suite du verset est que soit Allah Azza wa Jal leur pardonne, soit il les châtie. Et ici, il y a une grande leçon à tirer de l'épreuve qu'a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nombreuses sagesses. هؤلاء ظلموا نبيهم بل سيد الأنبياء والمرسلين مع ذلك لما استبعد رحمة الله تبارك وتعالى عنهم أنزل الله هذه الآية. Une grande leçon à tirer de cette histoire. On remarque que ces gens ont fait une chose très grave. Ils ont agressé le prophète qui leur a été envoyé, la créature la plus noble auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'ils ont fait cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu loin d'eux la miséricorde d'Allah azza wa jal.
Malgré cela, Allah Azza wa Jal a révélé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de part dans cet ordre. La leçon à tirer, c'est que lorsque nous voyons des pécheurs, des gens dans les péchés, dans le péché, même si ce péché est grave, tant qu'il est en dessous du shirk, d'accord, on ne parle plus de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle de maintenant. Donc si nous, à notre époque, on voit des personnes commettant de grandes turpitudes, comme al-zina, al-sariqa, al-riba, al-riba et d'autres, parmi les grands péchés, on ne doit pas se dire, comme on entend, que pour telle personne c'est fini. Et c'est comme si Allah Azza wa Jal n'allait jamais lui pardonner. Non, on ne peut pas savoir ce qu'Allah Azza wa Jal va décréter sur cette personne. Il se peut qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala guide cette personne par la suite. Ma yustafadu min al-hadith butlan al-shirk bil awliya wa as-salihin annahu idha kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la yamlik min al-amri shay'a fa ghayru min babi awla. Donc on tire de ce hadith qu'on ne doit pas donner d'associer Allah Azza wa Jal même personne pieuse, car ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possède pas ou n'a pas eu dans son pouvoir le fait de repousser le mal. Wuqu'u al-asqam wa al-ibtila bil anbiya. On tire de ce hadith que la maladie, le mal, les épreuves peuvent toucher les prophètes et les messagers. Ce sont des hommes, ils peuvent tomber malades et avoir des douleurs. وجوب إخلاص العبادة لله لأنه الذي له الأمر كله وحده سبحانه وتعالى. De ce hadith, on tire l'obligation d'unifier Allah Azza wa Jal d'un culte sincère, car c'est lui qui possède l'ordre tout entier. مشروعية الصبر والتحمل وتحمل الأذى والضرر في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. De ce hadith, on voit qu'il nous faut patienter et endurer lors des nuisances et des difficultés que nous pouvons rencontrer dans le chemin du prêche, lorsqu'on appelle les gens à revenir à Allah tabaraka wa ta'ala. النهي عن اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى ولو فعل الإنسان ما فعل من المعاصي التي هي دون الشرك. De ce hadith, on voit qu'on ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal ou qu'elle ne touche des serviteurs, même si ils ont commis les plus grands péchés, tant que c'est en dessous du shirk. Tant que c'est en dessous du shirk, car Allah Azza wa Jal nous dit: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé en dessous de cela, donc du shirk. Il pardonne à qui il veut. Donc celui qui rencontre Allah tabaraka wa ta'ala avec des grands péchés sans s'en être repenti, mais en dessous du shirk, il peut espérer la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est sous la volonté d'Allah azza wa jal. Si Allah veut le châtier pour ses péchés, s'il veut, il lui pardonne. ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في حكم عظيمة. Donc ce qui a touché le prophète صلى الله عليه وسلم le jour de la bataille d'Uhud, le fait qu'on lui a cassé un bout de dent, que son sang a coulé et qu'il a subi ces nuisances, il y a de grandes sagesses dans cela. Il y a de grandes sagesses dans cela. Ziyadatul ajri lin nabi sallallahu alayhi wa sallam wal rif'a fi makanatihi 'inda Allah azza wa jal. Premièrement, le fait qu'Allah azza wa jal ait voulu augmenter ses récompenses, ses hasanat, li'anna 'idama Al-jaza bi'idhami al-bala. Car plus l'épreuve est lourde,
plus la récompense est élevée. Donc Allah Azza wa Jal décrète cela. Il y a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam un bien, c'est qu'on l'élève encore plus de degrés et il a encore plus de récompenses. Aïdan, kay yata'assa bihi al-mu'minun ba'dahu fi sabil ad-da'wati ila Allah. Aussi pour que les croyants après lui prennent exemple sur sa personne lors des difficultés dans l'appellation des gens ou bien dans le prêche et le fait d'inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui appelle les gens à Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui veut faire revenir les gens vers la droiture, va rencontrer toutes sortes de nuisances. À ce moment-là, il devra endurer. Et l'exemple qu'il devra suivre est celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il devra se consoler en se rappelant ce qu'a subi celui qui était meilleur que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu appelles les gens de tawhid à la sunnah, ne pense pas que tout le monde va accepter ta da'wah. Comment est-ce que tu devras te comporter à ce moment-là? Allah te dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. أيضا نعلم بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر. On sait également à travers ça que le prophète صلى الله عليه وسلم n'est qu'un homme. Si ce n'est qu'Allah عز وجل l'a élevé au rang de prophète et messager. Mais il n'en reste pas moins un être humain. Donc il peut saigner, il peut tomber malade. À partir de là, nous ne pouvons l'adorer. Wa عبدullah wa rasuluh. عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. Donc si le prophète صلى الله عليه وسلم a subi cela, c'est que c'est un être humain. On ne doit donc pas l'adorer en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ni exagérer à son sujet. C'est un serviteur d'Allah, on ne doit pas l'adorer. Mais c'est également le messager d'Allah. On ne doit pas le démentir. Mais plutôt croire en lui, na'am, le suivre et lui obéir. Puis l'auteur nous dit, wa fihi, c'est-à-dire fi sahih, al-Bukhari, an ibn Umar radiallahu anhu, ou anhuma. Ibn Umar, se nomme Abdullah, c'est le fils de Umar ibn al-Khattab, un des compagnons les plus connus, Sahabi Unjalil, min ubbad al-Sahaba wa ulama'ihim, fait partie des grands dévots parmi les compagnons et des grands savants. Il est décédé dans l'année 73 après l'Hégire. Annahu sami'a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Donc Abdullah ibn Umar nous dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, et ceci à un moment précis, c'est lorsqu'il relevait sa tête du ruku' à la dernière raka'ah de salat al-fajr. Donc lorsqu'il se relevait de l'inclinaison à la dernière raka'ah de salat al-fajr. اللهم لعن فلانا وفلانا اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله. Que signifie le fait de demander à Allah de maudire un tel, c'est-à-dire ô Allah, éloigne-le et exclue-le de ta miséricorde. Voici le sens de يعني que la malédiction d'Allah soit sur un tel. Ça veut dire ya Allah, éloigne-le et exclue-le de ta miséricorde. Donc Abdullah ibn Umar a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire dua contre des personnes particulières. Et dans l'autre version du hadith qui viendra inshallah ta'ala, on aura les noms. Ba'dan yaqul sami'a Allah liman hamida, ay ajab Allah. Donc après
s'être relevé de l'inclinaison dans la première unité de la prière du matin, où Allah maudit un tel et un tel, après avoir dit qu'Allah entende celui qui loue. Seigneur, à toi la louange. Rabbana wa lakal hamd. Sami'a Allahu liman hamida. Ce que tu dis lorsque tu te relèves du ruku', tu dis cette parole-là pendant que tu te relèves du ruku', avant de te tenir debout. C'est-à-dire qu'Allah exauce celui qui le loue. Annahu 'uddiya billah. C'est pas juste entendre. C'est pas juste entendre. Ici, c'est exaucer. Puis Allah Azza wa Jalla a révélé le verset. Laysa laka min al-amri shay. Tu n'as aucune part dans l'ordre. Ici, on s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Idhan, donc dans le hadith passé, dans la version passée, on a vu que la cause de la révélation était les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'un peuple qui a blessé son prophète pourrait réussir? Ici on voit une autre cause de la révélation du verset, c'est que c'est les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre ces gens qui a fait qu'Allah azza wa jalla a révélé ce verset. Il n'y a pas de problème un seul verset et plusieurs causes de révélation. Wa fi riwaya yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhayl ibn Amr wal Harith ibn Hisham. Dans une autre version, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah contre Safwan ibn Umayyah, Suhayl ibn Amr et al Harith ibn Hisham. Khassasahum ou khassahum liannahum ru'usul mushrikin yawma Uhud. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié ces noms tout particulièrement? Car lors de la bataille de Uhud, ils étaient les chefs des associateurs avec un quatrième radiallahu an man amana minhum. Qui est le quatrième? Abu Sufyan radiallahu anhu. D'accord? Et Allah Azza wa Jal a guidé une partie d'entre eux à l'islam bifadlihi tabaraka wa ta'ala. Wa qad taba Allahu alayhim fa aslamu. Allah Azza wa Jal les a guidés, se sont repentis et sont entrés dans l'islam radiallahu anhum wa hasuna islamuhum. Munasabatu al-hadith lil-bab fi al-hadith bayan wa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yaqdir ala daf' al-adha 'an nafsi. Dans ce hadith, donc l'auteur a cité ce hadith car ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu repousser de sa propre personne le mal ni protéger ses compagnons. Donc, nous n'avons pas le droit de nous diriger vers lui dans toutes nos affaires. On doit plutôt se diriger vers Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui possède tout et qui est parfaitement omnipotent. Wa yadullu hadha al-hadith ala butlan ma ya'taqiduhu al-quburiyyun fi al-awliya'i wa salihin. Il y a une grande réfutation ici pour ceux qui adorent les tombes en ayant comme croyance que les saints et les gens pieux ont un pouvoir qui peuvent les secourir, les protéger et les préserver. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, n'a pu le faire, tout autre que lui n'en aura pas la capacité. Fafil hadith fawaid minha butlan التعلق بالأولي التعلق بالأولياء والصالحين لطلب قضاء الحوائج وتفريج الكروبات. Donc dans ce hadith, on voit que nous n'avons pas la permission de nous diriger vers les gens pieux
vers les saints ni les tombeaux, afin qu'il repousse de nous le mal ou nous secourt dans une situation difficile. Fil hadith jawazu ad-du'a al-mushrikin. Dans ce hadith, il y a la permission d'invoquer en prière contre les associateurs. Et on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du'a al-qunut. Pas comme on voit au jour d'aujourd'hui dans certaines mosquées. Pas comme on voit aujourd'hui dans certaines mosquées. Dans certaines mosquées, ils font ça avant le ruku'a. Ou plutôt avant, oui, na'am, avant le ruku'a. D'accord ? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du'a à quel moment ? Après. D'accord ? Après. Aussi, ماذا lorsqu'il y a un mal, lorsqu'il y a un mal et que le gouverneur dit de faire du'a, cela n'a pas lieu que pour salat al-fajr, mais même dans les autres salawat, on peut faire du'a al-qunut pour demander à Allah Azza wa Jal de repousser un mal de la communauté ou un mal ماذا particulier. Et ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même cité les noms. On voit ici que le prophète sallam a même cité les noms. En salat, donc ça n'annule pas la prière. Alors qu'il était debout. Et il a dit, il y a des mots qui n'entrent pas dans la lecture du Coran alors qu'il était debout. Ma'am. Dans ce hadith, on voit de manière claire que l'imam unit entre Semi Allahu liman hamida et Rabbana wa lakal hamd. D'accord ? Al-tasmi' wa al-tahmid. Al-qulub biyadillah. On tire de ce hadith que les cœurs sont dirigés par Allah tabaraka wa ta'ala. Comme cela est venu dans le hadith, il se trouve entre deux doigts de la main du tout miséricordieux, il les tourne comme il le veut. D'où est-ce qu'on tire cela dans le hadith ? In qalabat adawatu ha'ula walaya wa mahabba. Donc ces gens qui auparavant étaient les plus grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont mis à l'aimer et à le défendre. Donc subhanallah, la bataille de Uhud, ils étaient en face de lui et par la suite ils étaient avec lui. Donc tu ne dois jamais désespérer de la foi du mécréant. Même celui qui est ennemi des musulmans et qui leur déclare la guerre, il se peut que demain il soit dans le rang des musulmans parmi ceux qui proclament l'unicité d'Allah Azza wa Jal et accomplissent la prière. Il y a une grande preuve du tawhid dans le hadith. C'est le qunut du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quel point de vue est-ce que les savants affirment cela ? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi hadhihi al-qissa, hayyun hadir. Dans cette histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant et il est présent. Malgré cela, ils n'ont pas invoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a invoqué qui ? Allah tabaraka wa ta'ala. Dans quel égarement sont donc tombés ceux qui, après sa mort, l'invoquent pour avoir le secours, alors que de son vivant, lui-même invoquait Allah Azza wa Jal pour avoir le secours. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas être adoré avec Allah tabaraka wa ta'ala. Mais par ses enseignements, on apprend comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala et l'unifier d'un culte sincère. Nous devons donc nous diriger exclusivement vers Allah Azza wa Jal avec l'ensemble ou de par l'ensemble de nos actes d'adoration. Idhan, haqiqatu at-tawhid, at-tawajjuh ila Allah Azza wa Jal wahdahu la sharika. Donc la réalité du tawhid, c'est quoi ? C'est de se diriger exclusivement vers Allah Azza wa Jal dans toutes nos affaires. Et détacher nos cœurs de l'attachement de tout autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans toutes nos affaires. Puis l'auteur rahimahullahu ta'ala
nous cite un autre hadith. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي شيء ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا حديث عظيم. وفيه أي في صحيح البخاري من حيث ماذا أبي هريرة اختلف أهل العلم في اسمه وأشهر ما قيل أنه عبد الرحمن ابن صخر وكان شيخ أساتذنا يقول اشتهر بكنيته. دونك أبو هريرة dans ce hadith dans Sahih al-Bukhari, et le rapporteur c'est Abu Huraira. Abu Huraira Sakunya, ce qui est pris du père ou de la mère. Et les savants ont divergé sur son prénom. La parole qui revient souvent des gens de science est qu'il se nomme Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Et Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala disait, comme nous l'ont rapporté nos enseignants, qui sont ses élèves, il a été connu de par sa kunya, Abu Huraira. Donc on le nomme, ça pourrait s'arrêter ici, donc on le nomme Abu Huraira. Et c'est Ahfad al-Sahaba. C'est celui qui connaissait le plus de hadiths d'entre les compagnons. Il a apporté plus de 5000 hadiths. Radiallahu anhu. Donc malheur à ceux qui parlent sur Abu Huraira radiallahu anhu. Et chaque croyant qui entend parler de lui l'aime, lui ainsi que sa mère, car il faisait da'wah à sa mère radiallahu anha lorsqu'elle n'était pas encore musulmane, et elle lui a fait entendre une mauvaise parole. Ça l'a attristé, il a pleuré et est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua. Abu Huraira a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire dua, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a directement fait dua pour sa mère, en demandant à Allah de la guider. Lorsque Abu Huraira est rentré chez lui, sa mère lui a dit de patienter. Elle lui a ouvert la porte, elle était voilée, et a dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul. Elle s'est convertie à l'islam. Alors Abu Huraira est revenu à nouveau rempli de joie trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a raconté ce qui s'est passé, comme Allah azza wa jalla a guidé sa mère à l'islam. Puis il a dit au prophète sallam, invoque Allah pour qu'il n'y ait pas un croyant qui entende parler de moi ou de ma mère sans qu'il nous aime. Wa nahnu nuhib Abu Huraira wa ummah wa sa'ir wa sa'ir as-sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Il nous dit radiyallahu anhu que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le verset et averti les gens de ta famille qui te sont les plus proches. Et avertis les gens de ta famille qui te sont les plus proches. Hina unzila alay wa anzir ashiratakal aqrabin. Al inzar huwa al i'lam ma'a takhwif. Ay hadhir wa khawif. Al inzar, c'est le fait d'informer les gens
donc de certaines informations à travers lesquelles la peur va se développer dans leur cœur. Donc tu mets en garde et tu avertis avec un discours qui leur fera peur et qui a pour but de les mettre en garde. العشيرة جماعته وقبيلته الذين هم أدنى إليه. Donc العشيرة c'est les plus proches, ceux qui sont les plus proches de cette personne, de la personne, sa tribu, ses proches parents. الأقربين c'est-à-dire du, en commençant par les plus proches, en commençant par les plus proches, les enfants, les parents, l'oncle, les frères, et ainsi de suite, du plus proche au plus proche. وَالْبَدْءُ بِالْأَقْرَبِينَ فِي فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Le fait de commencer par les proches parents, dans cela il y a une grande sagesse. إِذَا آمَنَ الْأَقْرَبُونَ وَهُمُ الْأَقْرَبُ إِلَى الدَّاعِي هَذَا أَدْعَى إِلَى الْإِسْتِجَابَةِ من غيرهم ويصيرون أنصارا لهم أو له. Donc s'il fait da'wa à ses proches parents, les gens de l'extérieur verront que sa famille l'ont suivi. Il y aura dans cela une da'wa, car ça va inviter les gens qui sont plus loin à entrer également dans l'islam. Deuxièmement, s'ils entrent dans l'islam, ils seront pour lui une aide. Ils vont l'aider par la suite dans sa da'wah. Celui qui, par exemple, a une da'wah et que les gens de sa famille s'associent à lui avec leur place dans la société, leur argent, leur connaissance, leur énergie, leur science et ainsi de suite, ça va renforcer la da'wah du prêcheur. Alors que s'il n'entre pas dans l'islam, vous n'observez pas la droiture, les détracteurs de cette da'wah pourront essayer d'utiliser les manquements des proches du prêcheur pour parler sur le prêcheur lui-même. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et averti les gens de ta famille qui te sont le plus proche, faqal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, et le fait que Abu Huraira nous ait dit hina, lorsque, ça prouve que le prophète sallam badara ila l'imtithal, ila l'imtithal et amrillah, ça prouve qu'il s'est dépêché, empressé de faire ce qu'Allah azza wa jal lui a ordonné. C'est-à-dire dès qu'Allah a révélé cela, le prophète sallam s'est dépêché d'avertir sa famille en disant ya ma'ashara quraish au kalimatan nahwaha, au peuple de Quraish, ou une parole semblable. Vous n'avez pas ça dans la traduction. Il faut le rajouter, ça a son importance. Au kalimatan nahwaha n'est pas traduit. Ou de par ma fatigue, je ne vois pas. Ou une parole proche de celle-ci. Et dans ça, il y a une grande faïda. C'est at-taharri min hadha nastafid al-ihtiraz, yani ihtiraz ar-ruwah 'inda naqli al-ahadith. Le fait que les transmetteurs de hadith faisaient attention lorsqu'ils transmettaient le hadith. Et s'ils avaient le moindre doute, ils disaient après avoir dit le hadith ou une partie du hadith ou une parole semblable. Ou une parole semblable. معشرة أي جماعة قريش كما قلوا سابيتوس قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم أشرف العرب دون قريش كما قلوا سابيتوس هي الاتريبي du prophète صلى الله عليه وسلم النبلي parmi les arabes وهو فهر ابن نضر ابن مالك قريش c'est un surnom. قريش c'est un surnom et cette appellation fut donnée
pour l'une de ces causes suivantes. Donc les savants ont divergé sur l'appellation. سمي قريش قريشا إما من التقرش وهو التجمع أو التكسب لأنهم كانوا أهل تجارة. Donc on les appelait Quraysh soit parce que ça vient du mot التقرش ou bien التقرش qui signifie l'union après la désunion. L'union après la désunion, car cet homme est celui qui a réuni entre eux, après la division de ce peuple. Une deuxième chose citée par les savants, c'est que ça vient de tout ce qui a un rapport avec le commerce, car c'était des commerçants. Un troisième avis, qui m'avait été cité par un des élèves, Jazahullahu Khayran, j'ai profité de sa science, Jazahullahu Khayran. Puis j'ai retrouvé cela dans le sharh de Sheikh Salah Sindi. Donc c'est min al-qirsh. Certains ont dit min al-qirsh, le requin. D'accord ? Le lien c'est quoi ? C'est la force et la suprématie. Alors, le requin, c'est un animal qui est grand parmi les poissons de la mer et qui est très fort parmi Mada comparé aux autres. من أقوى الأسماك وهكذا قريش في العرب et c'est pareil pour Quraysh d'entre les tribus chez les Arabes. Ils étaient forts et avaient une grande place. البيهقي في الدلائل a cité une histoire, c'est que Muawiya رضي الله عنه a demandé à Ibn Abbas pourquoi est-ce qu'on appelait Quraysh Quraysh. Il a cité des vers de poésie qui montre que ils ont été appelés Quraysh par rapport au requin. Par rapport au requin, na'am. Il a dit wa Quraishun hiya allati taskunu al-bahra biha summiyat Quraishun Quraysha. Jusqu'à la fin de ces vers de poésie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc appelé Quraysh de manière générale. Puis il a appelé des personnes de manière particulière en disant Ishtaru anfusakum ay khallisuha min al-'adab bi tawhidillahi wa ta'atihi. Rachetez vos âmes. C'est-à-dire sauvez vos âmes du châtiment d'Allah en l'unifiant d'un culte sincère et en lui obéissant. Car c'est ainsi que tu te sauves du feu de l'enfer et du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment ? Avec le tawhid, avec l'islam, avec l'obéissance d'Allah azza wa jal et le délaissement des péchés. Idhan hadha huwa sabab. Sababu al-inqadh wa al-najah tawhidullah wa ta'atuh. Voici la seule façon d'obtenir le salut. Tawhidullah. Obéir à Allah. Se soumettre à son ordre. Donc c'est comme s'il avait dit et ne vous reposez pas sur votre noblesse. Du fait que vous faites partie de la tribu de Quraysh. Car il n'y a pas de lien entre Allah Azza wa Jalla et les serviteurs. Par la couleur, par la beauté, par la taille, la grandeur, la force physique. Non. Mais le lien, il est avec l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. La ughni ankum min Allah shay'a. Wa hadha mahallu shahid. Wa shay'a nakira fi siyaqi an-nafi fay'um aw fata'um. Ay la anfa'ukum بدفع الضر عنكم أو عذاب الله عنكم يوم القيامة. Donc ici, il leur dit, car je ne vous serai d'aucun secours auprès d'Allah. C'est-à-dire, je ne pourrai pas repousser le châtiment d'Allah de vos personnes s'il décide de vous châtier suite à vos péchés.
رفعا لما قد يتوهم. Aussi, il a dit cela pour repousser ce qu'on pourrait penser. C'est que vu qu'ils sont de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avec des manquements, ils seront sauvés. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit qu'il ne pourra rien faire pour eux devant Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas la capacité de repousser un mal qu'Allah voudrait pour un serviteur, c'est-à-dire un châtiment suite à ses péchés. Car l'ordre tout entier appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire cela dans le Coran. Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Dis, je ne possède aucunement pour vous un mal ni la droiture. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا. Ça c'est le tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit, suite à l'ordre d'Allah, qu'il ne peut rien faire pour nous. Il ne peut pas se mettre à l'abri, ni nous mettre nous à l'abri. Comme ça a été cité dans Suratul Jin. ثم خصص sallallahu alayhi wa sallam. يا عباس بن عبد المطلب. Ô Abbas, le fils de Abd al-Muttalib. Vous avez quoi comme traduction? Ô Abbas ibn, ensuite Abd al-Muttalib, d'accord. Al-Abbas est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait partie de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Et lui-même aimait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant sa conversion à l'islam. Ya Abbas. Comme Yaya Unnida, on ne dit pas Al-Abbasu. Et on ne dit pas Abbasun. Mais c'est Mabni Al-Abbam, Lianahu Munada, Wa Ma'arifa. Ibna, Lianahu Mullah Fila Ma'arifa. Donc c'est Mansoub. Donc on dit Abbasu. Et après on dit Ibna. Avec la fatha. Lianahu Mullah Fila Ma'arifa. Abdul Muttalib. Wajaddu, Abd al-Muttalib, c'est son grand-père. Et l'Abbas, c'est son oncle. Nous savons tous qu'il est interdit de faire ce qu'on appelle al-ta'bid bi ghayrillah. De dire Abd et ensuite de mettre le nom d'un autre qu'Allah Azza wa Jal. Tu dis Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz. Mais tu ne dis pas, par exemple, Abdul Ka'b ou bien Abdul Nabi. C'est haram et c'est grave. Parce que ça veut dire le serviteur, l'esclave de... On ne peut être que l'esclave d'Allah, Azza wa Jal, le serviteur d'Allah, l'adorateur d'Allah. Donc de s'appeler Abdul Nabi, par exemple, comme il y a dans certains pays, c'est interdit. La personne doit changer son nom. Elle ne doit pas laisser les gens l'appeler ainsi. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Comment expliquer? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ibn Abdil Muttalib. La réponse: هذا ليس إنشاء بل هو خبر. Le prophète sallam informe de son nom. C'est pas lui qui l'a appelé ainsi. Deuxièmement, c'est pas son vrai prénom. Comme on l'a vu dans Al-Usul al-Thalath. Il a été connu sous cette appellation. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir appelé son oncle, appelle sa tante. Ya Safiyatu ammata Rasulillah. Ô Safiya, la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où j'ai oublié la suite. Ma'adha la ugni anka min Allahi shay'a. Je ne pourrais être d'aucune utilité auprès d'Allah. Puis il a dit, ô
Safiya, tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. La ughni anki min Allahi shay'a. Donc Safiya, c'est la tante bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la mère de qui? Az-Zubayr ibn Man. Na'am, na'am, barakallahu fik. Et il lui a dit la même chose qu'à Al-Abbas. Puis il a appelé Fatima, Sayyidatu Nisa'i al-Alami wal-Jannah. Puis il a appelé Mahza Fatima, sa fille, en disant Ya Fatima bint Muhammad. Ô Fatima, la fille de Muhammad. Dans la traduction, vous avez quoi? Fille du prophète. C'est corrigé, c'est fille de Mohammed. Puis il lui a dit, Salini mimali mashit. Il manque un passage dans la traduction. Naam. Demande-moi ce que tu veux de mes biens et de mon argent et ce que je possède. Je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Donc ce qui est dans ma main, tu peux me le demander. Ce que j'ai, je peux te le donner. Mais devant Allah, en ce qui concerne les droits d'Allah, je ne te serai d'aucun secours. Subhanallah, il dit ça à qui? À une partie de lui-même, sa propre fille, son sang, Fatima. Après l'avoir dit à l'Abbas et Safiya, radiallahu anhum ajma'in. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas les secourir chez Allah, alors qu'ils sont les gens les plus proches de lui, est-ce qu'il pourra nous secourir nous? Et ces gens-là étaient des compagnons et les gens les plus pires. Que dire alors de ceux qui viendront après les compagnons radiallahu anhum ajma'in? Donc il ne peut pas les préserver du feu de l'enfer. Il ne peut pas les faire entrer au paradis. Il ne mérite donc pas d'être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc dans ce hadith Abu Huraira, il nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en signe de soumission à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, a réuni son peuple, les a appelés à affranchir leur propre personne du châtiment d'Allah. Et que cela se réalise en adorant Allah Azza wa Jal d'un culte sincère, en lui obéissant. Il a transmis cette grande information qu'il ne pourra leur être d'aucune utilité chez Allah. Mais ça n'est qu'avec la foi en Allah, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'obéissance qu'ils pourront être préservés du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sans cela, leur noblesse ne les mettra pas à l'abri du châtiment d'Allah. Munasabatul hadith lil bab. Dhakara al mu'allif hadha al hadith tahta hadha al bab lianna fihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la yastati' an yanfa'a ahadan walau min aqribaihi فلا يغني عنهم من الله شيئا فإذا كان هذا بالأقربين فبمن هو أبعد من باب أولى. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut repousser le châtiment d'Allah de ses proches parents, de sa propre famille. À plus forte raison, il ne peut le repousser de ceux qui viendront après ou qui n'ont pas de lien de parenté avec lui. Wa innama huwa subhanahu al-mutafarrid bil malakut wal jabarut. Fala yajuz an natawajjah ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hayatihi fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah wa ba'da mamatihi mutlaqan.
Donc nous n'avons pas le droit de son vivant de lui demander des choses que seul Allah Azza wa Jalla peut donner. Et après sa mort, nous n'avons pas le droit de l'invoquer. Nous n'avons pas le droit de lui demander quoi que ce soit. Mais on doit demander plutôt au Seigneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al-hayy alladhi la yamut, le vivant qui ne meurt jamais. فوائد الحديث في رد على عباد القبور وعباد الأنبياء والصالحين الذين يتعلقون بالمخلوقين في قضاء الحوائج. Dans ce hadith, il y a une grande réfutation à ceux qui adorent les prophètes, les morts, les tombes, les saints et autres. لا يجوز أن تطلب من العبد ما لا يقدر عليه إلا الله. On voit de ce hadith l'interdiction de demander au serviteur ce que seul Allah Azza wa Jal peut accorder. Musara'atu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila imtithali amri rabbih wa tablighi risalati. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'empressait d'obéir à Allah Azza wa Jal lorsqu'il lui ordonnait une chose. اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. On voit les efforts du prophète صلى الله عليه وسلم dans le prêche, l'invitation des gens à l'islam, à la piété, et tout cela avec sagesse et bonne exhortation. لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان به والعمل الصالح. On tire de ce hadith que personne ne pourra obtenir le salut si ce n'est avec la foi et les actions pieuses. C'est-à-dire si ce n'est par la cause de la foi en Allah et les actions pieuses. On ne doit donc pas se reposer sur le nom de famille, sur le nom de la tribu, sur moi je suis le fils de un tel ou un tel, ou moi j'ai tel travail et telle richesse. Là, Allah Azza wa Jalla lahu mulku samawati wal ard. Comment est-ce que tu vas te vanter de cela devant Allah alors que tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre est la propriété d'Allah Azza wa Jal? Il se peut qu'Allah Azza wa Jal accepte la dua du pauvre et n'accepte pas la dua d'un roi. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal mette au paradis la personne opprimée, faible, et qu'il mette en enfer une personne qui était riche. Donc le lien avec Allah Azza wa Jal est dans quoi? Dans l'obéissance, dans le tawhid. Si tu vas avoir une place chez Allah Azza wa Jal, tu dois être un serviteur pieux d'Allah. Si tu vas avoir une place chez Allah Tabaraka wa Ta'ala, tu dois t'éloigner du shirk et te diriger que vers le tawhid. Naam. Le simple fait d'être de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas suffisant pour entrer au paradis. Par contre, celui qui est croyant et en plus il fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on lui donne un respect en plus. Les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont des droits sur nous. Et on aime les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les respecte d'un respect religieux, sans exagération. Dans ce hadith, on coupe tout lien avec autre qu'Allah Azza wa Jal dans la recherche du bien et la préservation du mal. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la mère des créatures, ne peut être profitable aux gens de sa propre famille, qui sont des compagnons, qui étaient des compagnons, alors à qui après Mada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pourra attacher nos cœurs? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Nul autre que lui, tabaraka wa ta'ala. Lorsque les gens qui sont dans le soufisme, l'exagération dans le soufisme, et tout le soufisme n'est qu'exagération comme l'ensemble des innovations, lorsqu'ils entendent ce discours et ces paroles, ils disent « Antum, ya ahla sunnah, ma tuhibbuna al-rasul, sallallahu alayhi wa sallam. »
lorsqu'ils entendent qu'il ne faut pas adorer le prophète sallam, il ne faut pas invoquer le prophète sallam, il ne faut pas faire l'anniversaire, et ainsi de suite, ils disent quoi? Ils disent, vous, les gens de la sunna, vous n'aimez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. C'est une parole qui est grave. Pourquoi? Qui est-ce qui nous a éduqués ainsi? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui nous a interdit de l'adorer, qui nous a dit d'adorer que Allah azza wa jal. Donc on leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, sa parole est véridique ou pas? S'ils disent non, ils sortent de l'islam. S'ils disent oui, on leur dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ses paroles. Est-ce que vous y croyez ou pas? S'ils disent non, on ne croit pas en la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sortent de l'islam. S'ils disent oui, on leur dit, voici l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se révèle pas en donnant des associés à Allah. Bien au contraire, en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa religion et dans sa manière d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a révélé, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لله فلا يعبد ورسول الله فلا يكذب. C'est le serviteur d'Allah, donc on ne l'adore pas. Mais c'est aussi le messager, donc on ne le dément pas. On croit en lui, on le suit. Et lorsque tu regardes au jour d'aujourd'hui la situation des gens concernant le tawhid, tu verras, comme a dit l'auteur dans les Masail, ghurbat ad-din. Tu verras vraiment que l'islam pur, comme il a été révélé, c'est une chose étrange. C'est une chose étrange dans le sens où la plupart des gens, lorsqu'ils voient la personne pratiquer l'islam comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué, et lorsqu'ils entendent les discours de tawhid, hein, ils trouvent que ceci est une mauvaise chose. Subhanallah. Lorsque la personne appelle au bon comportement, on est satisfait d'elle. Lorsque la personne appelle à délaisser l'injustice, on est satisfait d'elle. Mais lorsqu'elle dit, il ne faut pas adorer les saints, il ne faut pas aller voir les devins, il ne faut pas aller voir les marabouts, et ainsi de suite, alors là, il a des ennemis. C'est comme dans la sunna. Lorsque tu dis aux gens, il faut suivre le prophète en sallam, ils disent tous oui, personne ne te dit non. Hein? Personne ne te dit non. Lorsque tu dis, il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde te dit oui, personne ne te dit non. Ça? Mais lorsque tu dis, ce que tu fais est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois délaisser ça et faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Lorsque tu dis à la personne qui prie les bras ballants, les longs du corps, il te faut prendre ta main gauche avec ta main droite et les mettre ainsi sur ta poitrine, qu'est-ce qu'il te répond? Moi, mon grand-père était plus pieux que toi. Et il priait ainsi. Ya akhi, où est la mahabba de Rasul sallam? Où est le suivi du prophète sallam? Hein? Ou bien lorsqu'il suit un shir particulier, et que ce shir se trompe, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est humain, et que tu lui dis que tel autre parmi les savants de l'islam a dit que telle chose était une faute, car Allah a dit, car le prophète sallam a dit, il te dit non, shir n'a pas dit comme ça. Shir n'a pas dit ainsi. Ou si plus tard son shir s'égare au point de sortir de la sunna, tu vois qu'il n'arrive pas à se détacher de son shir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi son shir pour la sunna qu'il portait, mais il l'a aimé pour sa personne. Alors que s'il l'aimait pour sa sunna, à partir du moment où il s'éloigne de la sunna, son amour diminue. Pourquoi? Car il aime pour Allah, il déteste pour Allah. Ça, c'est la mahabba fillah. C'est que tu aimes la personne proportionnellement à son attachement à la sunna. Aujourd'hui, tu lui tiens la main. Et lorsqu'on lui tire une flèche, tu te mets devant lui en tant que bouclier. Demain, il délaisse la sunna. Celui qu'on tient par la main, celui avec lequel on marche, on mange, on s'assoit,
on discute. Wallahi, qu'on enlève notre main. Et cette main reste accrochée à qui ? À quoi ? À la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui sont autour de nous, on les a aimés parce qu'on a vu la sunna sur eux. Parce qu'on a vu l'amour du din. Ces mêmes personnes, si tu vois qu'ils s'éloignent de cette sunna, est-ce que tu vas dire, non mais, c'est mon copain. Non mais, imagine qu'on te fait ça à toi. Kalam fari hada, kalam batil. Bel, nurabbi shabab wa nas ala al-hubbi fillah wal-bughdi fillah. Awthaq, ura l'iman, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Parmi les plus grandes choses qui vont te mettre sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyamah, al-hubbu fillah, le fait d'avoir aimé tes frères pour Allah Azza wa Jalla. Et certains parmi les salafs disaient, si tu vois une personne qui aime un homme, qui aime son frère, puis ce dernier désobéit Allah Azza wa Jalla, s'éloigne, et qu'il continue à l'aimer de la même façon, sache qu'il ne l'a pas aimé pour Allah. Sache qu'il ne l'a pas aimé pour Allah. Et il y a une parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, qu'on lira à l'occasion, insha'allahu ta'ala. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, que dans la plupart des endroits, on a délaissé le tawhid. Pas partout, alhamdulillah. Il y aura toujours une partie de la communauté qui sera sur la vérité. Mais tu vois que le tawhid est devenu une chose étrange aux yeux des gens. Celui qui ne veut pas se soigner chez les marabouts, comment est-ce qu'on l'appelle wahhabi? Celui qui prie à la sunna wahhabi. Ajib hada. Hein? On devrait l'appeler mouahid, sunni. Mais ils utilisent ces sobriquets pour faire peur à la masse, pour éloigner la masse des gens de la sunna. Ils l'ont fait, ils ont essayé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant sahir, kazzab, majnoun, subhanallah, vous l'appeliez al-amin. Et lorsqu'il est venu avec la ilaha illallah, vous l'avez appelé sahir, kazzab. Tel savant, vous l'appeliez al-imam, al-allama. Et lorsqu'il a critiqué celui que tu aimais pour ses fautes, tu dis maintenant il est injuste et il fait que de parler sur les gens. Hajibad. On doit aimer les gens pour Allah. Et selon leur accrochement à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne n'est ma'asoum après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que tu t'étonnes qu'un tel se trompe? Est-ce que la base c'est qu'il est infaillible? Ou qu'il est sujet à l'erreur? La base c'est qu'il est sujet à l'erreur. والله المستعان وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demain إن شاء الله تعالى vous avez cours ماذا avec le frère Sadak وفقه الله تعالى. Puis il va s'absenter pour 10 jours. Il va partir en da'wa insha'allahu ta'ala. Puis il reviendra pour suivre son cours. Et durant son absence, probablement que je vais faire kitab al-tawhid dans son créneau. C'est-à-dire le samedi après al-asr. Mais cela reste à confirmer. Ceux qui n'ont pas eu de livre, que ce soit chez les hommes ou les femmes, faites-nous le savoir. Comment est-ce qu'on se comporte avec quelqu'un qui a insulté Allah lors d'une conversation? Celui qui insulte Allah Azza wa Jal, c'est un kafir billahi al-azim. Celui qui insulte Allah et qui était musulman, c'est un murtad. Il a apostasie, il est sorti de l'islam. Bien sûr, s'il avait sa raison. Amma,
si sa langue a fourché, il ne voulait pas dire cela, et ainsi de suite, comme c'est connu dans Mada Nawaqidul Islam. Il ne sera pas sorti de l'islam. Celui qui ne veut pas dire ce mot-là, mais il l'a dit involontairement. Est-ce qu'on va dire qu'il sort de l'islam? Non. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhta'na. Il faut dire à cette personne de faire la tawbah. Il faut dire à cette personne de se repentir et qu'elle a fait une chose très très grave. Ar-ridda wa al-'iyadhu billah. On a le droit de dormir dans une mosquée ou se coucher sans dormir en attendant la prière. C'est moubah, c'est permis. Ça ne veut pas dire qu'il faut voyager 3 jours, 10 jours avec l'établir pour aller dormir de mosquée en mosquée. Personne qui demande sur Tahiyyatul Masjid. Ça va, on divergeait. Certains ont dit que c'était obligatoire, certains ont dit que c'était recommandé. Allahu Akbar. Est-ce qu'on a le droit de donner du porc aux enfants? Ajaib, c'est haram. Allah Azza wa Jalla wa ta'awna 'ala al-birr wa at-taqwa wa la ta'awna 'ala al-ithmi wa al-'udwan. Pour quelqu'un qui travaille dans une cantine ou autre. Ceux qui ont des questions à poser sont arabophones, vous appelez les savants. Ceux qui ne sont pas arabophones, vous ramenez une carte, on appelle, Inch'Allah. Pour les femmes, les livres vont vous parvenir dans 5 secondes, Inch'Allah. Concernant l'avocat dont vous aviez entendu parler, cela ne me concerne pas, je ne suis pas au courant. Qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé? Ce dont il s'agit dans le verset, c'est la finalité. Est-ce qu'ils vont entrer dans l'islam ou est-ce qu'ils n'entreront pas dans l'islam? Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et d'autres ont dit que parmi les causes pour augmenter la foi, il y a un livre de Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad al-Badr que je vous recommande sur ça, et qu'il faut
un repentir sincère, lire le Coran, faire beaucoup de dhikr, fréquenter les gens pieux, aller dans les assises de science, apprendre le tawhid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas de questions sur le cours. Directement où il est le frère, donc je vais envoyer à lui directement. Tu passes le frère, tu passes le frère, en tout cas au frère. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui t'a donné la responsabilité de faire des débats? Toi, tu parles pas avec lui. Toi, tu parles pas avec lui. Laisse-le aller parler. Laisse-le aller discuter avec quelqu'un qui a des doutes. Toi, t'as pas de doutes. T'es sur la sunna. Laisse-le lui aller discuter avec ceux qui ont des doutes. D'accord? Barakallahu fik.